Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SimCity 5. Alors désolé pour l'épisode précédent où il y a eu manifestement un bug son où on m'entendait pas du tout. J'ai trouvé le problème et bah du coup vous êtes censé m'entendre sur ce coup-ci. Donc ça a vraiment perturbé enfin tout ce que j'ai fait parce que j'ai avancé moi en attendant l'épisode précédent, vous l'aurez quand même. Mais il n'y aura donc pas de son. C'est vraiment dommage. Il y aura juste le son du jeu, quoi. Et je vais donc vous expliquer ce que j'ai fait plus en détail avec ma voix. Ça sera mieux. Donc. Allez. Connecte-toi. Connecte-toi. Ou sinon je vais devoir faire une ellipse. Et ça va m'énerver. Surtout que j'en ai fait une dans l'autre épisode aussi, d'ellipse. Et hélas, vous ne vous y attendiez pas, étant donné que je n'ai pas parlé. Enfin, si, j'ai parlé, mais bon, voilà. Alors, voyons voir ça plus en détail. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté des modules. Les modules éducatifs. J'ai mis l'université. J'ai mis ces deux trucs là, mais ça je crois que c'était déjà avant, et j'ai rajouté un réservoir à celui-ci et deux à celui-là. J'ai mis le siège pétrole avec la division commerce. J'ai mis le port commercial avec le truc de train, bien pratique le truc de train. J'ai rajouté un brûleur de déchets. J'ai mis ceci qui va être vachement pratique pour faire gagner de l'argent et du tourisme. Nous allons donc nous occuper de ça maintenant, voilà. Maxis, je le fais toujours patrouiller. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Ah oui, j'ai mis plein d'habitations parce qu'ils étaient en manque d'ouvriers. Du coup, j'ai mis des ouvriers. J'ai aussi mis un lycée et une école primaire. D'ailleurs, il y a ma technologie qui augmente en même temps que mon éducation. C'est excellent. Ici, ils me veulent toujours la tour vue, mais ça ne m'intéresse pas de faire la tour vue. Comment est-ce que vous comprendrez ça? J'ai de magnifiques bâtiments commerciaux et un bâtiment disons un gratte-ciel pour maison. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu de nouveaux trucs? Oui, j'ai liquidé le gros parc et j'en ai remplacé par un autre à moyenne. La land value, j'ai dû développer un peu plus ici parce qu'à cause des puits de pétrole, ça empiétait dessus et du coup il y a les riches qui partaient. Ceci dit, ça aurait pas été plus mal. Donc j'ai remis des gens industriels un peu plus pauvres. J'ai mis un parc ici pour faire de la moyenne. Et voilà, donc ça s'est bien déroulé et tout, et bien qui finit bien. Et ici, à 20h, j'aurai mon événement qui sera fait. Bon, ici il paraît qu'il y a un problème au niveau tourisme. Quoi? Oui, j'ai pas de touristes. C'est pas grave. Pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Et j'ai 5000 dollars, ce qui est vraiment excellent. Oui, tu peux le faire. Vas-y, tu peux le faire. Je veux mes 1000, comme ça je mets l'école d'ingénieur, c'est ça? École des sciences pour ça, école d'ingénieur pour ça, école de droit, école de médecine, école d'ingénieur. Oui, donc il me faudra ça, et il me faudra j'hésite. Non, je vais plutôt faire la centrale solaire. Oui, mais il me faudra quand même ceci également. Oui, parce qu'il me faudra ça en priorité, étant donné que pour l'instant je fais toujours au pétrole et que je n'ai pas le choix. Ça me produira juste moins de pollution. Oui, ça fait moins de pollution, mais
Ça, le problème, c'est que ça consomme plus de pétrole que l'autre ici. Par contre, je vais liquider ce truc-là pour mettre ceci. Ça consomme moins de barils de pétrole. Ça peut être un peu plus pratique. Voilà, j'ai 330 touristes par jour qui sont occupés à, j'imagine, occuper ce truc-là. Ouais, voilà. J'aimerais bien que ça monte un peu plus vite. Ça pourrait être pratique pour moi. Pour ça, faut que j'améliore les transports. Alors j'ai, oula, beaucoup de temps d'attente pour ça. Et si je peux toujours pas, parce que j'ai pas mis mon dépôt de train. Oui, parce que j'ai upgrade les routes, comme vous voyez. Et bah j'ai mis des... Ah bah non. Ah, ça s'est pas mis. Ah, c'est pratique. On va pouvoir le refaire. Donc, on va pouvoir réupgrade les routes en densité à tram. Comme ça, je vais pouvoir mettre des trams un peu partout. Je vais commencer par là. C'est quand même l'avenue principale. Il faut pas l'oublier. Voilà, j'upgrade toutes mes routes pour pouvoir mettre mes petites trams adorées. Et les trams vont faciliter beaucoup la... le tourisme et le déplacement dans la ville. Du coup, je vais pouvoir vendre mes barils de pétrole plus vite. Étant donné que mes camions iront plus rapidement. C'était le même principe que de faire l'upgrade des routes à densité élevée. Sauf que ça va encore un peu plus booster le truc. La circulation. Ah, apparemment, j'avais pas upgradé celle-là. Voilà. Les deux à la fois. Celle-là c'est fait, ça y a pas encore. Ça c'est fait. Ça aussi. Ça aussi. Nickel, je crois. Pas encore tout à fait. Voilà. Maintenant regardons. Trams, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est ça non plus. Carte des trams, c'est ça. On voit pas chemin de tram. Faut peut-être mettre mettre le dépôt de tram d'abord. Je vais le mettre ici. Voilà. Maintenant que j'ai mon dépôt de tram, est-ce que je peux voir mes trams? Oui, voilà. Ici, il y a un petit problème. Voilà. Alors, voyons voir. Les trams. Est-ce qu'ils vont partout? Oui, c'est nickel. Bon, maintenant, il faut que je mette des arrêts de tram, hein, sinon ça va pas aller. Donc, arrêt de tram. Boum. Je vais en mettre un là. Un devant mon école ici. Un devant mes deux écoles là. Un 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 ici. Un là. Un là. Un là. L'avenue principale, ça va devenir important pour les trams parce que, comme vous voyez, il y a quelques... Oh non! Il y a un de mes gros bâtiments qui apparemment a fait faillite et il a dû se barrer. Étant donné qu'il est devenu noir comme ça, je crois que c'est pas bon signe. Voilà, ça c'est bon. Ah, ici. Voilà, j'ai mis plein de trams un peu partout. Ah! Là, j'ai oublié. L'upgrade, voilà, ça sera bien. Avenue à tram. Donc, oui. Pas de clients. Du coup, ils se sont barrés. Salopard. Hécatombe. À vendre. D'accord. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Non merci. Feu d'artifice, je vous ai déjà conseillé de ne jamais le faire, c'est une très mauvaise idée.
Et les touristes, ils affluent ou pas? J'ai perdu du fric, je parie. Oui, je peux enfin faire la maison du maire, c'est vraiment excellent ça. Maison du maire, je vous conseille vivement de la faire. Elle est vraiment très intéressante. Je peux pas encore faire le truc. J'ai même pas mon bonheur à 75%. Ben si, je l'ai à plus de 75%, voyons. Allez, augmente. Augmente. Ah, voilà, j'ai déjà une heure. À améliorer. Donc là, je vais pouvoir faire l'école de sciences. Voilà, je vais faire là. Bon, ma petite école de sciences. Donc là, j'ai 1300 élèves au maximum. Et là, j'ai mon niveau technologique qui a augmenté, c'est génial. Ici, qu'est-ce qu'ils me veulent? Non, merci, j'ai pas envie que vous mettiez des poubelles partout. Bon, alors, pour le tourisme, comment l'améliorer? Ça va être normalement assez simple. Pour améliorer le tourisme, il faudrait des monuments. Mais pour ça, faut le truc du tourisme et je ne l'ai pas. C'est dommage. Je vais par contre pouvoir mettre un casino. Ça pourrait peut-être améliorer le tourisme. Si je... Ça, c'est chiant ça. J'ai envie de le mettre sur cette route-là, mais je ne peux pas apparemment. Ouais, bon. Voilà. Je mets ta petite enseigne. T'es content. Je vais mettre ça au-dessus. Je vais mettre ça. Ça. Et ça. Et voilà. Et j'espère que tu feras du profit, toi. Pour l'instant, à mon avis, non, mais plus tard peut-être. Je voulais faire l'événement. Alors tu fais l'événement. Oui, je sais, je perds du fric en faisant des trucs comme ça, mais c'est pas grave. Moi, je peux rien d'autre en fait. Donc, là, nous sommes déjà à plus de 10 minutes. Ah, yeah, j'aime bien les gros bâtiments comme ça. Il m'en faudrait plus des gros bâtiments civils, histoire de pouvoir améliorer ça et mettre les services ou le tourisme. J'hésite. Non, une ville touristique, j'en ferai une autre après. Donc ça, si c'est pas assez rentable, je le virerai sûrement plus tard. Pour l'instant, c'est assez peu rentable. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent. Allez, plus vite. Ah voilà, ça devient rentable. Donc ça devient bien. Donc c'est bon. Allez, 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 allez. On verra ça à 20h pour voir si la salle est comble. Ou peut-être pas. Donc ici, la criminalité augmente, le nombre de morts, ça augmente aussi. Et les pompiers, bah ils sont nickel apparemment. Alors, pour les trams, ça devient chaud déjà. Bon, ben on va rajouter des trams. Ouais, le tram prend beaucoup de fric apparemment. Les bus. Ça devrait aller pour l'instant. Ça, par contre, ça va devenir intéressant si on veut améliorer ça. Mais c'est pas notre but premier, je tiens à le rappeler. Bien que ça pourrait emmener plus de gens plus rapidement ici aussi. Ah, je vais pouvoir faire mon projet de développement solaire. Ou alors je fais d'abord ça. Non, je vais d'abord.
J'hésite. Non, je vais d'abord faire le solaire. Comme ça, après, j'aurai plus besoin de ça, étant donné que j'aurai ma centrale solaire accordée. Et là, vous allez voir que ça va se développer petit à petit. Bon, alors, apparemment, je peux améliorer la maison du maire, ce qui est génial. Je vais mettre mon petit faucon au-dessus. Bah, ça rend la ville fière. Et peut-être que ça fera augmenter certains bâtiments. Oh. Je vais avoir des gratte-ciel de maison. Ça, c'est très très bien. Comme ça, il y aura plus de gens qui viendront habiter dans ma ville. Et en ayant plus de gens dans ma ville, eh ben, il y aura plus de gens qui iront dans les emplois, etc., etc. Genre, eux, ils manquent de main-d'œuvre. Donc, c'est pas bien. Ça, c'est. Y a pas tout le monde qui va à l'école, apparemment. Ça va. Ça va. Ah, ça, par contre, ça va pas du tout. Boum. Voilà, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Non, nous n'allons pas de mettre de monument pour l'instant dans cette ville. Par contre, nous avons de gros bâtiments qui se forment, ça c'est très bien. Par contre, je sais pas combien j'ai gagné. Ça m'emmerde. Je vais remettre un concert de rock. On verra si on gagne quelque chose. Oui, alors le déficit que j'ai pour l'instant, c'est à cause du casino, je crois. On verra si je ferme le casino. J'ai pas un super gros bénéfice quand même. Donc c'est à mon avis, c'est plutôt à cause du transport aussi. Ouais, alors ce truc-là, on peut l'améliorer assez vite, hein, comme vous avez vu. Surtout au début. Après, il faut 80% d'émitude, je sais pas comment on dit. Trop de criminalité. D'accord. Faut que je règle certains problèmes de criminalité et apparemment de médecins aussi. Je mettrai un hôpital, mais quand je pourrais mettre le. Faut plus de gens pour ça. Ah, c'est repassé dans le positif. C'est vraiment génial. Bon, qu'est-ce que tu me veux, toi? Il leur faut déjà d'autres trams. Ils se foutent de ma gueule, là. Ah bah non, ils se foutent pas de ma gueule. Oh bordel, 60 minutes. Si je devais attendre 60 minutes pour avoir un tram ou un bus, je crois que je me suiciderais. Ouais, non, quand même pas. Je suis pas suicidaire. Les bus, 50 minutes. Et il est où, mon dépôt de bus? Je l'avais mis, je ne sais plus où. Ils sont pris dans les embouteillages, hein, c'est ça le problème. Ah, il est là, mon dépôt de bus. Je vais mettre quelques bus tant que je peux. Voilà, je sais pas en mettre plus, désolé les gens. Et je vais ouais, également mettre un petit parking à l'entrée. Voilà. Comme ça, vous restez au parking et vous prenez le tram. Il y aura moins de voitures. Par moins d'embouteillage, ça sera mieux. Mieux pour moi en tout cas. Ah, toi t'as un peu baissé. On va voir la nappe de pétrole si elle a beaucoup baissé aussi ou pas. Oui, elle commence à s'épuiser comme on voit au niveau des puits d'extraction. On va pouvoir les déplacer et les mettre ailleurs. C'est génial. Enfin, on va attendre qu'ils pompent vraiment tout, 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 tout. Comme ça sera bien. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Encore? Voilà, j'ai mis un petit barbecue, t'es content? Après, il y aura le drapeau et après, ça va devenir de plus en plus chaud.
Oh, criminalité nuit aux affaires. Il y a trop de criminalité dans le coin. D'accord, c'est vraiment les criminels qui les embêtent alors maintenant. Attrape des criminels, toi. Attends 2 petites secondes, j'ai envie de vérifier un truc d'abord. Les cellules, ça va, hein. Je peux même en arrêter une. Je pourrais peut-être même arrêter la deuxième si je voulais. Oh, je vais bientôt arriver à 75 000. Je vais pouvoir améliorer ça et prendre mon gros commissariat, ma grosse caserne de pompiers. Et il y avait un autre truc qui devait être mis. Ah oui, et l'hôpital. L'hôpital, ça va devenir nécessaire. Pour faire un truc contre les germes. Il y a déjà des gens qui viennent. Vous savez que c'est à 20 h? C'est comme dans la réalité, ils viennent 4 heures avant pour être sûr que ça marche bien. Enfin, d'avoir des places. Voilà, la ville devient quand même assez grande. Non, criminalité trop élevée. La destruction du bâtiment est quand même assez bien faite, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a encore un... Non, ça va. Bon, alors. Oh, je peux encore l'améliorer. C'est génial, ça. Je vais pouvoir mettre quoi après? Alors, l'école de commerce. Oui, ça peut être génial. Profit commercial de la région, augmenté. Après, je mettrai sûrement l'école de médecine. Ça va devenir indispensable. Par contre, j'ai oublié de mettre le petit panneau. Voilà. T'as le petit panneau qui est mis. Et maintenant, je peux accueillir 1 800 élèves. Et j'ai enseigné à 2 000 élèves la fois dernière. J'espère que ça va passer aux 3 000. Ça pourrait vraiment être génial. Améliorer encore une fois. Voilà, je peux pas faire beaucoup plus non plus, hein. Donc, voyons voir. Les trams, c'est bon. 27 minutes, c'est nickel. Les bus, c'est bon. Je vais aller voir là-dedans, ça sera plus simple. 50 minutes encore. Il y a des petits problèmes. Il y en a beaucoup qui utilisent ce parking-là. L'autre parking, par contre, c'est pas trop ça. Si je liquidais le casino, il me sert vraiment à rien. Par contre, ce truc-là, je vais le laisser, je crois. C'est toujours bien. Par contre, ce truc-là, c'est vraiment, mais vraiment nul. J'ai pas assez de touristes et j'ai pas assez de... Ouais, bon, le casino, au revoir. Hein, il me sert vraiment à rien. Je préfère remettre mes industries autour. Oui, d'accord. Autour de ça, je peux pas mettre de trucs. Voilà. Joli le bâtiment ici. J'aime bien. C'est ici que ça se développe le plus en fait. Ailleurs, on peut pas dire que les bâtiments soient vraiment très gros. Ici, t'as une sorte de HLM, j'ai envie de dire. HLM assez classe. Un peu plus classe que les autres trucs. Pas assez de clients, pas assez de clients. Vous m'emmerdez ou... Ah voilà. Je vais pouvoir mettre ceci qui va... vachement m'aider.
pour la suite. Et voilà, comme je vous l'avais dit, 292 000. 292 000 enfin personnes dans ma ville pour pouvoir améliorer encore ce truc-là. Nous y arriverons sûrement pas. Donc, nous allons liquider l'hôpital. Enfin, la clinique pour mettre l'hôpital. Ça devenait un peu impératif. Voilà. Nous avons 50 places. Et je vais mettre le service sanitaire contre les germes. Je vais mettre aussi deux petits trucs comme ça. Mon petit panneau. Service d'urgence, je crois que ça pourrait être nécessaire. Voilà. Je vais encore mettre un truc sanitaire. Et une ambulance. Voilà. Si vous mourrez encore, je ne comprends plus. Ici, je vais... Est-ce que mes maisons brûlent? On ne dirait pas, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Par contre, on avait un problème de criminalité. Voilà. Nous allons liquider ce bon vieux poste de police pour le remplacer par le tout-puissant commissariat. Et le commissariat, je vais lui mettre directement ça qui sera bien utile et ça également. Allez, un service de présence. Voilà. Du coup, je suis en négatif. C'est tout à fait normal. Il a toujours pas attrapé son criminel, lui. Allez, allez, allez. J'ai besoin d'argent. Agrandissez-vous. Nous allons vérifier l'électricité. C'est bon. L'eau, c'est bon. Ça, par contre, ça va devenir limite, encore une fois. Nous allons voir la nappe phréatique. Comme vous voyez, elle a pas diminué. Parce que ce truc-là remet de l'eau. Donc là, il y a des gros bâtiments qui se construisent. C'est nickel. J'en veux, moi, des gros bâtiments. La criminalité s'est occupée à se résoudre. Ne vous en faites pas. Criminalité, criminalité, criminalité. Nous sommes malades. Je crois qu'il voulait marquer malade. Ouais. C'est à qu'attendre peut-être quelque chose. Besoin d'argent. Ouais, ok. Ici, nous avons besoin d'employés qualifiés. Nous voulons des boutiques pour écouler nos marchandises. Il n'y a plus de zone industrielle de faible technologie. C'est génial. Ici, le développement de ma centrale solaire est à 23%. Nous avons 2210 élèves par jour. Je crois que c'est un taux tout à fait honorable. Ici, 541 élèves par jour et là, 212 élèves par jour. Par contre, comme on le voit, on a un sacré problème de circulation. C'est vraiment horrible, je crois que c'est à cause de ce truc-là en fait. Mais apparemment, en fait, la circulation marche mieux sur les petites routes comme ça que sur les grosses, j'ai l'impression. Faudra méditer là-dessus sur la prochaine ville. Faire un gros axe comme ça pour une ville commerciale ou un truc dans le genre. N'hésitez surtout pas à me dire quel genre de ville vous aimeriez que je fasse. Je le ferai avec plaisir. Ça montrera mes vues aussi. J'espère que vous vous abonnerez également. Ça pourrait me faire plaisir aussi. Pas assez de clients. Mais vous avez jamais assez de clients. Vous êtes chiant. Oui, par contre, il va y avoir un problème de... Vraiment, les problèmes de déchets, ça c'est quelque chose que je ne peux pas avoir. Donc, ici nous avons 31 patients.
30 patients. Oui, donc ça c'est bon. Le nombre de morts a augmenté, c'est quoi cette connerie? Vous êtes censé être plus efficace maintenant que je vous ai mis votre gros poste de police. Alors, expliquez-moi. Ah, toi, tu augmentes dans les bénéfices, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ah, vas-y, encore plus. Je veux plus. Oh. Remettre pour les faibles fortunés. Oula. Ici, il va y avoir un petit problème d'écoulement. Est-ce que ça résout le problème? Oh, allez, pour l'instant, oui, ça résout le problème. Ça, c'est encore bon, et ça, c'est bon aussi. Qu'est-ce qu'ils me disent? Les rues ne sont pas sûres. Embaucher des policiers. D'accord. Je vais t'embaucher, tes policiers. Je vais te mettre plus de voitures de police. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ouais, c'est bien, tu vas vendre toi-même tes gadgets, ok, je veux bien. Je veux bien parce que ça va devenir impératif, hein, ton truc. Parce que pour rattraper les bandits, il va falloir que tu voles, hein, mon gars. Voilà. Là, vous pouvez pas dire que vous avez pas assez de flics pour l'instant, ok? Faut éteindre 5 incendies. Des incendies, mais il n'y a pas de problème d'incendie dans ma ville. Il va peut-être falloir que je crée des problèmes d'incendie pour ça. Par contre, il commence à y avoir des sans-abri. Comme on le voit ici. C'est mauvais, ça, très mauvais. La production de barils par jour diminue plus fortement qu'avant. Ouais, bah ça s'épuise, c'est bien ça. Je vais pouvoir remplacer ça par des commerces et des maisons. Alors là-bas, est-ce que ça marche toujours bien? Allez, on va dire que oui. Pétrole brut, pétrole brut. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est bien. Il y a des plus grosses usines qui se construisent. C'est génial. Ouais, le troisième truc de technologie est occupé à se faire. Mon éducation ne monte pas beaucoup par contre. Je me demande pourquoi. La technologie monte mais pas l'éducation. C'est bizarre, hein? C'est très très bizarre. Mais bon. Tant que je vais avoir du fric, ça devrait aller. Ah, est-ce que ça irait mieux pour la circulation? Oula, l'axe autour d'ici, c'est vraiment horrible. Apparemment. Transport en commun. 60 minutes pour les navettes. 25 pour les trams. Tram, ça va. Je pourrais aussi rajouter des trucs comme ça encore. Ouais, mais non, pas pour l'instant. Bateau, j'en ai pas besoin. Avion, j'en ai pas besoin. Train, ça pourrait être utile, mais ça va être dur de faire ça. Déjà que j'ai une super belle mairie avec pas mal d'augmentation dessus. La prochaine fois, je ferai une ville industrielle. Ah, il me faut plus d'habitants. Hein. On va essayer d'avoir 200 000 habitants ici. Ah! Commence à avoir des feux spéciaux. Alors ça, ce sont des feux de produits dangereux qui ne peuvent être pas arrêtés par les pompiers que j'ai pour le moment. Il faut des pompiers un peu plus spéciaux. Donc les pompiers spéciaux, je vais devoir en mettre. Pour ça, faudra que je vire cette caserne-là de pompiers. Ouais, les incendies deviennent incontrôlables, ça c'est normal. Oh là là, ça coûte cher.
Et pour l'instant, je suis en déficit. Voilà, ça fait une belle explosion. Pour pouvoir reconstruire, ça va réexploser plus tard. Parce que je ne peux pas mettre pour l'instant la grosse caserne. Tout simplement. Et ici, ça a l'air d'aller. J'ai toujours du mal avec les ambulances. C'est normal, avec les embouteillages qu'il y a, c'est dur de passer, hein. Est-ce qu'on sait mettre l'hélicoptère? L'hélicoptère, c'est... Non, on saura pas le mettre, il n'y a pas d'hélicoptère. C'est génial. Service d'urgence, on peut en mettre qu'un. Laboratoire d'analyse. Faudrait que j'en mette un aussi. Donc... Ah, ça devient vraiment catastrophique, hein. Les pompiers sont bloqués là. C'est dommage qu'ils doivent faire le tour par ici pour pouvoir que ça marche. Oh. C'est vraiment horrible. Vous voyez, à cause de la circulation, vraiment plein de trucs horribles qui se passent. Circulation entrave tout dans les villes. Il y a quand même de beaux bâtiments, hein. Mais la circulation, c'est vraiment, vraiment horrible. Nous avons besoin d'employés qualifiés, oui, ça j'ai compris. Ils ont aussi besoin de trucs pour écouler leurs marchandises. Pourquoi il y a... Ouais, bah ça va devenir... ça, il y en aura bientôt plus, quoi. Ils ont rien à dire. C'est une blague. Ah, ici, ils ont quelque chose à dire. Mais là, ils ont rien à dire. Ah si, ici ils ont quelque chose à dire. Il y a trop de criminalité dans le coin. À l'aide, nos employés meurent. La criminalité préoccupe. Ok. Criminalité aussi. Et là, il a rien à dire. D'accord. Nous avons besoin de plus d'argent. Les gens sont mauvais pour la santé. Ok. Criminalité, ouais. C'est vraiment les criminels qui sont chiants ici, hein. Deux criminels supplémentaires soient arrêtés. Ouais, mais pour ça il me faudrait en fait plus de voitures de police. Alors oui, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que mon argent augmente alors que je suis en déficit. C'est grâce au pétrole. Pétrole qui est ici. Quand je n'aurai plus de pétrole, ça va retomber. Je vais pouvoir liquider ces usines de pétrole. Et pouvoir bah, mettre des maisons et des commerces à la place, ce qui remontera mon niveau de richesse par heure. Mais sinon, mon exportation, elle est très très bonne. Il me faudrait ça. Et ça aussi, surtout ça. Ayez un aéroport municipal dans la région. Donc oui, bah, on mettra un aéroport dans la ville touristique. Ça serait bien d'avoir plus d'élèves. Bon, nous allons donc nous quitter là. La fois prochaine, nous irons dans une autre ville. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster un commentaire pour savoir ce que vous voulez que je fasse. Si vous voulez une ville bio, une ville touristique, une ville. Une ville de commerce, d'industrie ou quelque chose dans ce genre-là. Je vais liquider quelques petites maisons avant de partir. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, ça me fera plaisir. N'hésitez pas. Bah, tu te détruis, toi. N'hésitez pas donc à poster un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Donc, au revoir tout le monde et à plus pour d'autres vidéos.